Bonjour à tous, il était attendu au Real Madrid, mais André Gomez va finalement s'engager avec le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé hier soir un accord avec le joueur portugais qui signera contre un chèque de 35 millions d'euros plus 20 bonus. Forcément, la presse locale se félicite de cette bataille gagnée à la surprise générale face au rival de la capitale. Et au contraire, à Madrid, c'est la soupe à la grimace. Marca évoque un dénouement inattendu et pointe déjà du doigt le coupable de ce fiasco. Il s'agirait de James Rodriguez qui a choisi de rester au club et a donc forcé le Real à se retirer au dernier moment. Une théorie partagée par AS qui évoque également la réticence du Real d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Et décidément, le Real Madrid ne manque pas de dossiers chauds à gérer en ce moment. On pensait que le club merengue avait décidé de conserver Morata pour concurrencer Benzema, mais le Mirror Sport croit savoir que le champion d'Europe en titre a fait savoir à Chelsea qu'il est disposé à lâcher son buteur, mais pas à n'importe quel prix puisqu'il faudra payer la bagatelle de 80 millions d'euros. Une somme impressionnante mais qui n'est pas grand-chose à côté des 120 millions d'euros que s'apprête à dépenser Manchester United pour Paul Pogba, un deal qui semble bouclé depuis hier, même si le Daily Express a une toute autre théorie ce matin. Le tabloïd assure que Mourinho serait prêt à lâcher l'affaire pour consacrer cet argent à l'achat de deux milieux de terrain, Nemanja Matic de Chelsea et surtout Blaise Matuidi, une piste déjà évoquée il y a quelques semaines mais qui semblait oubliée. De son côté, la Juventus continue de négocier pour Pogba et espère s'offrir Gonzalo Higuain. La vieille dame refuse pour l'instant de payer sa clause libératoire de 94 millions d'euros, mais peut compter sur des relations très tendues entre le joueur et son président. Aujourd'hui, Tuttosport assure que l'Argentin est furieux contre Aurelio De Laurentiis, qui a déclaré qu'un départ vers la Juventus ferait de lui un traître. Higuain semble donc bien parti pour forcer son départ et la Juventus s'en frotte déjà les mains. Allez, on termine avec des nouvelles de Samuel Eto'o qui s'est offert une deuxième jeunesse en Turquie cette saison sous les couleurs d'Antalyaspor. Des performances qui pourraient lui offrir la possibilité de jouer à nouveau la Ligue des Champions, puisque selon Fanatic, le Beşiktaş champion de Turquie pense à lui pour combler un départ de Mario Gomez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato, bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.